Alors nous sommes lundi 28 décembre 1992. Ça marche bien? Ils sont beaux, hein, les King 200 là. J'ai vu qu'il y a un 19 ans avant. Au parking principal. Il n'y a pas un 19 ans là-bas? Seul qui reste. Et on vérifie. Là, je sais que le frein de parc a été serré samedi soir et comme il a fait très froid, on vérifie qu'il n'y a pas de fuite au niveau des mâchoires de frein. Voilà, puisqu'on n'a pas de cale. On n'a pas pu mettre de cale samedi. Voilà, et maintenant on va monter pour vérifier un certain nombre de choses avant de faire la prévol extérieur. Donc le blocage des commandes à retirer. Donc je retire le blocage des commandes. Voilà. Blocage émettre des gaz. Et le blocage du palonnier. Et je le range. Tiens, tu mets ça dans le vide-poche qui est derrière mon siège. Ouais. Il y a un vide-poche en dessous ici là, qui doit être disponible. La manette de volet est vérifiée en concordance avec la position des volets à l'extérieur que nous venons de vérifier. Les manettes de puissance, donc font vérifier sur idle. D'accord. Là, les hélices plein petit pas. Et les mètres carburant sur full cutoff. L'interrupteur batterie gené 1, gené 2 sur off, tout est bien rabattu. La palette master switch est bien rabattue. Interrupteur engine start, ils sont bien sur off. Mètre de train, elle est bien sur down. D'accord. Le radar, il est sur off. Trim réglé à 0. Alors, interrupteur de batterie sur on. Et là, on a l'avionique. On a le master caution et master warning pendant qu'ils se mettent en route. Je vérifie la tension de la batterie. On a 26 volts. C'est une bonne batterie. Les volets doivent être essayés maintenant. Je ne vais pas les faire maintenant parce qu'on va consommer l'électricité. On le fera après la mise en route du GTP2. Et l'interrupteur batterie sur off. Voilà. Ça, c'est la visite qui se fait à l'intérieur de l'avion avant la visite extérieure. Maintenant, on va procéder à la visite prévol extérieur. C'est pour ça qu'il faut les sortir. Il faut sortir les volets. Alors, je vais les sortir. Bon, on les purge. Effectuer la purge située à l'arrière du logement de train. Alors la purge... Bon, ça gêne. Pression extincteur. Il n'y en a pas d'extincteur, il n'est pas équipé là. Si, il brasse de frein, il n'y en a pas d'extincteur. Il rend étable. Voilà mon étable. Ensuite purge. La purge elle est faite. Il n'y a pas de purge. Ok. Donc il n'y a pas de purge de valeur extérieure. Feu de nappe. Feu de nappe. Thank you.
Comment ça, comment on va appeler ça? Ça, je sais pas. Alors on vérifie qu'on est en vert. Avoyant, vert. Avoyant vert ici. Avoyant vert là. Celui-là, on le finit. Et là. Bien. Et ensuite, ici. Et voilà, la porte est fermée. On peut passer devant. La sécurité a été effectuée. D'accord. La vis d'extérieur a été effectuée. La vis de la préparation du poste. Il y a une visite cabine à faire qu'on a oubliée. Claude, il y a une chose que tu peux faire toute simple. C'est nous ouvrir la trappe qui est là-bas à ta droite. Là. Voilà. Cette trappe. Non, non. Il faut repousser. Je vais t'expliquer. Non, non, touche. Repousse. Exit door. Exit out. Voilà. Tu le repousses vers le haut. Repousse vers le haut. Vers le haut. Voilà. C'est tout ce qu'il va faire. Hein. Eh bien, je te donne, je te confie ça. Okay. Documents de bord. Ils ont été vérifiés. Les sièges. Ils sont réglés. Réglés à droite. Interrupteur batterie. On. Voilà. C'est en Ridendo. Hein. Donc je... D'accord. Instant warning, ma sœur. Éclairage. Cochon. Éclairage, on va mettre tout ça sur off. Hein. Tout est sur off. Off, 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 off et off. Emergency exit lights. Auto. Il doit être sur arme. Ouais, c'est auto. Hein. Auto. D'accord. Et ces panneaux carburant. Alors, et ces panneaux carburant, on ferme les. Non, oui, on ferme les courbines qu'on peut. Voilà. On met en route les stand-by pompes. D'accord. J'ouvre le robinet coupe-feu. J'ouvre le robinet coupe-feu. Je coupe les stand-by pompes. Voilà. J'essaye le cross-feed. Voilà. Avec, je vérifie le cross-feed. Je le presse. J'essaye le cross aussi de l'autre côté. Ça fonctionne. Voilà. Le standby pompe sont sur off. L'oxygène transfert override sont sur off. Les oxygène transfert sont testés. Au niveau du carburant, on a 2000, on a 1300 et 1300 2006 plus 100, ouais. On a 2700 livres. Ouais. D'accord. D'accord, ce qu'on avait dit. 2007. Et dans les auxiliaires, on a. Et dans les auxiliaires. Il nous reste 400 livres, donc 3100, c'est ce qu'on avait dit, hein. Ouais. 3500, 3100 livres plus les 500 livres qui ont été, 600 livres qui ont été bouffés là, ça fait 3600 en total. C'est ça. Ok, donc panneau carburant effectué. Quantité carburant annoncée. Annoncée. Calculateur carburant. On peut le mettre à... Ah non, je vais le garder sur cette valeur-là, c'est la valeur du plein. D'accord. Moins le totalisateur. En d'accord. Permanence, on aura à lire le plat complet 3600 livres. D'accord. Moi, tout d'ailleurs, on saura ce qu'on a à bord. On va le réinitialiser. Ouais. Panneaux breakers latéraux. Bien de mon côté, sont vérifiés, sont tous enclenchés. Vérifié. Alors, le tien est enclenché, c'est sauf quoi, le vibreur de l'altimètre numéro 2. Le vibreur de l'altimètre numéro 2. Et moi, j'ai renclenché le breaker qui nous gêne. C'est le breaker presse contrôle, qu'on aura peut-être à agir dessus tout à l'heure. J'ai renclenché, il devait déclencher samedi. Hein. D'accord. Okay. Et ça ici c'est quoi? Le vibreur. On s'en sert plus, hein. C'est un. Non, ouais, non, c'est... Il n'y a plus besoin de vibreur sur la vue, ils ont remplacé l'altimètre. Ok. Montre. 14h02. Ici j'ai une drôle de monde dedans. Ouais, elle est pas à l'heure, hein. Elle est à un retard de 4 minutes. Ouais. Voilà. Réglé. 14h02. Bon, réglé à droite. Panneau d'alarme. Panneau d'alarme. Donc vérifier, toutes les lampes fonctionnent. Et ici tout fonctionne. Tout ça fonctionne, ça fonctionne là ici. Vérifier. Ensuite, frein de parc. Je vais le réinitialiser. Hein. Il était... Initialisé. Mal de puissance. Idle. Mal d'hélice. Plein petit pas. Mal de carburant. Fuel cutoff. Détection incendie. À toi. Alors tu tournes le bouton là, tu viens sur 1. Voilà, left engine fire, c'est bon, le 2, c'est bon, il y a 3 chaînes de détection incendie, voilà, tu remets sur off.
Vérifier. ATC, sans objet. Ah bah si, on va les prévenir. Hein. On va les prévenir qu'on met en route. Mais alors, ça va pas être évident. Voilà. 121-8. Carotel, bonjour. Oui, Fox Victor Anton, nous sommes au parking nord. On va mettre en route un moteur avant la mise en route officielle qui est prévue dans 15 minutes. Aussi, c'est approuvé. Là, sur votre plan de vol, je vois que vous demandez un niveau de vol 160, c'est correct pour un local ? Affirme, c'est correct. Pour un plan de vol, un vol circulaire, niveau 160, Fox Victor Hotel. Vous avez monté dans la TMA au niveau de vol 160. C'est correct, Fox Victor Hotel. On quitte les côtes quelques instants, Fox Victor Hotel. On vous rappelle de retour sur la fréquence. Ok. À part qu'on peut peut-être revoir la procédure, ou alors tu le fais tout seul, ou alors je le fais avec toi, mais on revoit la, la procédure, donc j'ouvre le... Je mets en route le démarreur ici, d'accord. On a le N1 qui va augmenter, d'accord. Lorsqu'il va être stabilisé, j'ouvre le carburant, d'accord. Je vérifie l'allumage, toi tu vérifies l'extinction du voyant full press, tu vérifies la pression d'huile établie, d'accord. Moi je parle de ça, hein. Je parle du full press éteint. Tu vérifies full press éteint. Pression d'huile lorsqu'elle arrive dans le verre. Et lorsqu'on a 50%, d'accord, je l'annonce tu l'annonces et je couperai le démarreur. D'accord. T'es prêt ? Ouais, je suis prêt. Les personnes à droite ? Personne à droite. Il y a deux légers qui sont arrivés. Alors. Merde, il y a du monde qui arrive. Qui c'est qui traîne pas des moteurs comme ça ? Voilà, c'est bon. Ils sont bons, ils voient les beacons. C'est juste jeune à côté, beaucoup. Oui. Ça y est ? Ouais, ça y est. Ok. Bon, personne. Top démarrage. Fuel press éteint. Rotation. Putain, stabilisé à. Pression d'huile. Stabilisé à 13%. Ouais, c'est fuel flow. C'est tout bien fait. Allumage. D'accord, 730 degrés, 30 secondes. Il t'attend que tu en parles pas. Si, j'ai dit 770 degrés. Après, mais au moment où ça monte. Ah, j'ai dit allumage. Ouais, tu t'as pas entendu. Quand il dit allumage, tu surveilles les tétés. Ah, bah ça veut dire que les tétés ont décollé. D'accord. Donc les paramètres sont stabilisés. La température d'huile est très froide, on va passer en rapport. Hein. Voilà. Et je mets en route, donc quoi était ce numéro 2 drapeau. GTP, drapeau, interrupteur Gené2. On arrive vers Sotadio. Gené2 sur route, t'es d'accord? Oui. Voilà. Interrupteur avionique master. Alors attends, donc je viens de mettre la GN2, elle charge, je vérifie qu'on a 28 volts de chaque côté, qu'on n'a pas cassé un courant limiteur. D'accord. Et là on a batterie de charge maintenant. Et lorsque j'aurai la température d'huile établie à 40 degrés, je mettrai à idle. Hein. D'accord. Avionique Master Power. Ouais. Essai inverteur. Alors tu passes sur inverteur. Je vais passer sur le. Je vais essayer. Bon, il n'y a rien d'autre à noter. Donc ça, j'en ai pas besoin. Là, tu peux tout ranger. Hein. Qu'est-ce que tu veux bien? Je vais prendre un peu le roulage, non? Vas-y, ouais. Quand à gauche, quand à droite. Et quand on sent à droite. Je me demande si je vais partir avec l'avion, avec la bite qui n'évite pas. Bah, les gens, c'est embêtant quoi. Hein. Range tout ça parce qu'on va être. Tiens, check ce coin ci. C'est un masque oxygène qui s'est cassé la gueule. Ouais. T'es en quoi là pour les. T'es en Louis hein. Ouais, ouais. Engine auto-ignition, arme. Allez, Jelly, ça, on est plus sur ce Victor Hotel au point d'arrêt, on est prêt au départ. Donc, ce Victor Hotel, attendez, contactez la tour 118-55, au revoir. Avec la tour 118-55, au revoir. D'accord. Oui. L'île tourne, Fox, Golf, Victor Hotel, bonjour.
derniers vents, 60 degrés, 12 nœuds, rafale à 20 nœuds. Pour nous, qu'elle a perdu, que t'as pas saisi. Question de Fox, Golf, Victor, quel bon nom. D'accord. Moi, je finis par, donc avec quoi j'amasais 12 500 livres, 0,8 à Lille, là, avec le torque 2930, VR 94, V206, V321, VRF plus V325, 146 affiché à gauche, affiché à la droite. La panne vers ou après, eh bien, on se reportera en vente arrière gauche 1000 pieds avec une HSD à 600 pieds. Sinon, ça vient. Pour information, un TB9 en début de vente arrière gauche, piste 08, autorisé au décollage de piste 08. Le dernier vent, 60 degrés, 12 à 20 nœuds, rappelé libérant 3000 pieds. Je décolle 08 vers la droite et rappelle 3000 remontées, Fox Victor Hotel. Allez, il n'y a pas trop de temps, on vient le parc, faut que j'ai fait ça. Fox, Charlie Delta, et Charlie Delta. Maintenant, c'est variable positif. Variable positif. Je te rassure. Fox, je vais faire en vente arrière gauche, 08 pour la gauche. Où est-ce que c'est ça? Fox, je vous ai fait numéro 1 pour la piste 08. Je vais en finale 08. On a vu un peu de la piste 08. On va aller vers 0. Mais on est 0. Oui. La puissance de la tête affiche 1912 hélices. 1912 hélices. 1900. 1901, voilà, encore un peu. Et synchronise comme ça, d'accord. Il y a peut-être un régulateur qu'il faut faire attention. Moi je recule des hélices, voilà. Je peux lire à droite. C'est qui est à droite? Alors le propre, il a mis sur un. J'engage un tout pilote, non? D'accord. Tout pilote engagé. On va être au demi-tour. Hein. Fox Victor Hotel, approche 3000 remontées. Fox Victor Hotel, contactez Paris sur 128-27, à tout à l'heure. Paris 128-27, à tout à l'heure, Fox Victor Hotel, au revoir. Tu reçois? Je te reçois. Je vais te contacter entre 6013 ans. 1013 à droite. 13 vient à gauche. Tu liras 32. Merci, allez, au revoir. Parce que ce que tu peux faire, c'est visuel, c'est annuler l'IFR. On remarque, on est haut, hein, non? On est un peu haut pour poser en finale maintenant. Puis on va faire une approche à vue avec l'avant arrière gauche, ça sera aussi bien. Je décollage en vue là. Tu peux lui dire qu'on a le visuel sur les parties de décollage, ouais. Tu vois, si on envisage quoi? On est en arrière gauche pour la 08. Fox Victor Hotel, là on a un visuel sur le départ en cours, on envisage une verticale suivi d'une intégration en face à gauche 08. Reçu Fox Victor Hotel, gardez visuel sur le départ et autorisé à l'approche à vue. Rappelez en finale 08 ou en vente arrière gauche. Vente arrière gauche. Regarde le visuel et rappelle en vente arrière gauche 08, Fox Victor Hotel. On met le pied avant, on est autorisé. On est autorisé. Sur 657 Delta et autorisé 90 sur 90 sur Cambrai. Donc ça, on fait quoi? On encore on va on efface quand ils sonnent parce qu'on n'a plus à tenir compte maintenant. D'accord. Bon, je vais vérifier le Fox Echo. Tu veux Fox Front Echo, unité 032. Ok. Et 32? Allez, 032. Ok, on peut lancer le check approche. Check approche, consigne passager. Passe le seatbelt pour les ailes, on peut se fumer tout de suite. Pressu. Allez, vérifier, hein. Juste, tu t'en occupes de la pressu? Ouais, allez, j'en garde. Ok. Altimètre. Elle vient 1032 à gauche. Prendre à droite. Anti-givrage. Anti-givrage, on va couper les windshields. On a plus suite. T'as plus suite? On a plus suite, ouais, ouais. Vas-y, poursuis le check approche. Check glisse approche effectué. Je vais stand-by également. Hein. Ah.
ça m'étonne, ça, qu'il n'y ait plus de suite de gré à droite. Hein. Bah, c'est une inversion, hein. Puis on a quand même 230-242. Hein. Ouais. Charter 657 Delta, contactez Paris 128-27, au revoir. Ça va dire le 8. 657 Delta, au revoir, monsieur. Tu dis qu'on intègre l'avant arrière gauche, hein. Fox, Victor Hotel, on intègre l'avant arrière 08 main gauche. Fox, Victor Hotel, numéro 1 pour la 08, confirmez, vous faites des tours de piste. Un tour de piste et un couplet. Alors, confirmez, on envisage un tour de piste et un tour de piste, droite ou gauche en convenance. Alors, ensuite, Fox, Victor Hotel, numéro 1, rappelez en finale 08. Général, rappel en finale, Fox, Victor Hotel. Tu veux le faire à droite ou à gauche, le trottinement? À gauche. À gauche, ok. On va mettre Lima Lima ici. Lima Lima. On arrive en base là. On va aller rappeler en finale. Ouais. Train sur sortie. Train sur sortie. On arrive à Saint-Tréby, hein. Le train est sorti, train vert. Et où est Saint-Tréby ici, il faut faire, c'est tout qu'il fait, hein. Ah, c'est à moi de... pardon. Ouais, c'est fait. Allez, où est ce beste? À gauche, on arrive en... on est en finale. On tourne en... on est en basse gauche pour la 08, hein. On a oublié les arrêts, sinon. La VRF, on va prendre 104, 106, 126, 146, affiché à droite. On va avoir un papier en 08, normalement, on a les flashs. Quel est le sens? Fox Victor Hotel, on arrive en finale 08, on envisage un touché et puis un main gauche ensuite. Oui, oui, Fox Victor Hotel, autorisé toute Tango en 08. Le vent 60 degrés, 10h, rafale à 18h, appelez vent arrière gauche sous 08. Je touche 08, rappelle vent arrière gauche, Fox Victor Hotel. Il est où le papy? Il est un peu vachement fort ici. Oui, il est un peu vachement fort, ouais. Tu glisses un atterrissage? Je glisse un atterrissage, le propre synchro. Consigne passager. Spooking, Fasten Seatbelt. Yo Damper. Il doit engager. L'autofriseur. Ah, j'ai oublié les noms. Arme. Train. Sortie de travers. Volet. 100. Altimètre. Bien, pour ce coup. C'est correct. Je glisse un atterrissage effectué. Ok. Gilles, tu surveilles la pressu. Ouais. Tu la mets. Enfin, moi, je t'aurais suggéré de la mettre à 4000 pieds, tu vois, pour voir ce qui se passait dans le tour de piste. Ouais, ok. Et voir s'il va arriver à voir un vario cohérent pour la montée. Ok, on est 3 vertes autorisées. Hein. 3 vertes autorisées. Alors, vous êtes à 40. On est à 40. Prime 300. Et c'est parti, on a 89. 81. Par le point positif, positif. Train sur entrée. Train sur entrée. Allez, puissance montée. On va voir bien la pression. Puissance montée. Puissance montée. Voilà, on va le voir. Le train est rentré. Reçu. Ah, quand même, regarde un peu la pression ce que je fais. On est à 8h30 là? Ouais, là on est à 8h30. Oui. Bon, bah, c'est bon, on redescend. On redescend tout de suite, hein. On vient de redescendre tout de suite, c'est normal. Ouais. C'est bon, on va se reposer. Hein.
On reste avec les volets 40%. Hein. On reste avec les volets 40%. Ouais. Ça marche bien. Non, et opposé, on n'a pas pris d'à-coup, rien du tout. Directeur hôtel, si vous sentez un vide mangeant, on est venu remonter vers le parking nord. Reçu, vous maintenez sur le taxiway, je vous rappelle. On poursuit vers le taxiway, on maintient sur le taxiway, directeur hôtel, c'est correct? Ah, ça m'attend. Vous maintenez sur le taxiway, là, là, et je vous rappelle, oui. D'accord, on maintient. Parce que ça aurait pu venir tu vas venir au... Eh bien, alors les actions, tu mets tes index ici à 0. Index à 0. Enfin, tu les mets de façon pour les saisir après. La radio son est à 0, est à 0 également. Tu fais ça ici comme ça. Voilà, pour pouvoir, et pour bien montrer qu'ils sont mal réglés. Transpondeur standby 2000. Tout ça c'est sur off. Les vols à 0. Prime. Tu le sur off. Tu le sur on, ouais. Le sur on, le taxi, ouais. 0. Et voilà, et vous devez sur standby l'action apprentissage effectuée à gauche, tout ce qui va à droite, et checklist apprentissage. Checklist après atterrissage, dégivrage. Ça va être tel landing light sur le voilà. C'est pour moi ça? Non, 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 c'est pour le trafic qui est là. Ah, d'accord. Strobe. Oh, transpondeur, standby, radar. Eh bien, radar, standby. Standby, radio sonde. À 0 à gauche. 0, alors c'est où ça? C'est la mienne est là, la tienne est ici. Ah, d'accord, voilà. D'accord, 0 à gauche. Le volet 0.